Les écailles de la mer et l'été, ça, c'est l'histoire d'un homme qui n'aime pas trop les responsabilités, qui est un peu solitaire et à qui on confie un poisson un jour. Il doit s'occuper de ce poisson-là. Il est un peu embarrassé, bon, il ne sait pas trop quoi en faire, le poisson est là, près de son bureau. Et puis un jour où il lit un passage d'un poème à voix haute, il se rend compte que son poisson l'écoute. Et c'est tout le début de l'histoire. C'est la relation d'amitié entre ce poisson et ce narrateur qui va se mettre à lui lire de plus en plus de livres et voir si la littérature peut sauver la vie de ce poisson-là, parce que ce poisson est en danger. Voilà, c'est un gros suspense. Tous les textes qui sont à l'intérieur du roman Les écailles de la mer l'été, c'est des textes qui me sont tombés dessus par hasard pendant l'écriture. Soit des textes que je connaissais déjà parce qu'ils étaient dans ma bibliothèque, soit vraiment des textes sur lesquels je suis tombé. Ça peut être un livre où c'est un cliché parfait, mais je me promenais sur les quais et devant un bouquiniste, il y a un titre qui m'attire et je commence à regarder le livre et je lis quelque chose et je me dis tiens, c'est intéressant par rapport à ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Et parce que j'ai une théorie assez nouvelle, mais pour moi, en tout cas, qui m'amuse beaucoup, mais qui me semble très juste, c'est que j'ai l'impression que maintenant, je ne trouve pas de livres, c'est les livres qui me trouvent. Et c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de rencontres par hasard de livres qui m'ont servi pour ce roman. Bien sûr, il y a des choses piochées dans ma bibliothèque, mais j'ai pas voulu que ça fasse anthologie. L'idée, c'était vraiment, de façon tout à fait spontanée et logique, c'est en relisant, en tombant par hasard sur des morceaux de texte pour les intégrer dans le roman. Mais il y a un exemple, quand je dis j'ai le sentiment que des livres m'ont trouvé plus que moi, je les ai trouvés, c'est que par exemple j'avais débuté l'écriture de ce roman, qui est l'histoire donc d'une amitié entre un poisson et, enfin d'une amitié, entre un narrateur et un poisson, je ne sais pas si on peut parler d'amitié, mais justement c'est ça qui est amusant, je venais de commencer à l'écrire peut-être 2 jours auparavant, j'étais à ce moment-là parti en vacances tout seul au Portugal, à Lisbonne, j'ai trouvé un petit carnet et vraiment je trouvais que le carnet était joli, donc j'ai commencé spontanément à écrire cette histoire-là. Et je suis allé un moment dans une librairie à Lisbonne, la librairie française, et le premier livre sur lequel je tombe, c'est Le Serment de Saint-Antoine aux poissons. Et je me dis, c'est quand même dingue, parce qu'en littérature, les poissons, il n'y a pas grand-chose. Il y a le vieil homme et la mer, mais c'est un gros poisson qu'on veut tuer. Il y a peu de choses dans la littérature sur le poisson. Et c'est comme ça que je trouve qu'il y a eu beaucoup de hasards qui m'ont conduit à écrire ce livre et tous les livres qui sont cités dans le roman sont amenés par ce hasard-là. Mais c'est ça qui est génial, c'est que justement, je voulais pas. Il y a des romans que j'aime beaucoup, à titre perso, mais qui ne sont pas cités dans le livre parce que je voulais pas forcer les choses, parce que je voulais que ça reste spontané et naturel et que ça ait du sens. Donc, j'estime vraiment que c'est plutôt des livres qui m'ont trouvé. D'ailleurs, c'est ce que je fais maintenant. Je ne me prends plus la tête à chercher des livres. C'est des hasards, des coups d'œil ou un truc où voilà, j'ai le sentiment que le livre me trouve. Les écailles de la mer l'été, c'est un titre que j'aime beaucoup. Effectivement, il y a une petite référence à Baudelaire sur ce dernier vers du Spleen, où coule au lieu de sang l'eau verte du l'été, parce que je trouve que c'est très beau, où coule au lieu de sang l'eau verte du l'été. Et cette idée du l'été qui est le fleuve de l'oubli me plaît beaucoup, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, c'est un des fleuves des enfers, et cette question de l'oubli, du besoin de l'oubli qu'on a aussi, parce qu'il y a un besoin de mémoire, de se souvenir de certaines choses, mais l'oubli fait du bien. Et ce titre, Les écailles de la mer l'été, on va pas se mentir, c'est très compliqué à référencer. Je pense que par exemple, si on doit le dire à l'oral, à chaque fois je suis obligé d'expliquer. Alors non, c'est pas la mer au sens de l'eau, et l'été, ce n'est pas la saison, mais c'est le fleuve. Mais je trouve qu'il correspond parfaitement au roman. Parce que, encore une fois, c'est une espèce de jeu sur les mots, plus qu'un jeu de mots, je trouve que c'est plus un jeu sur les mots et la sonorité, et qui correspond effectivement à cette histoire du narrateur avec son poisson. Et c'est fait naturellement ce titre, au sens où je ne me suis pas dit, ah c'est rigolo, c'est un jeu de mots. C'est après où je me suis rendu compte qu'effectivement ça faisait un jeu de mots. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les mots ont un sens, évidemment, mais auquel on colle quelque chose. Et parfois on ne se rend pas compte qu'ils peuvent en avoir un autre. Et pour moi, la mer l'été, c'est tellement la mer au sens amertume et l'été, le fleuve de l'oubli. Au départ, j'ai pas du tout pensé à la mer l'été en tant que saison. C'est en parlant ensuite avec les gens que je me suis rendu compte à chaque fois il y avait un problème et il fallait que j'explique. Donc je trouve que le titre correspond involontairement mais très bien à l'esprit, on va dire, du roman.